Top départ. Les 79 duos de la Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre, se sont élancés dimanche dans des conditions idéales. On est parti sur la Transat Jacques Vabre, allez, il y a du monde partout là, Après un superbe spectacle le long des falaises d'Étretat, cap sur l'Atlantique. C'est beau, c'est super. Franchement, c'était bien plaisant. Mais après quelques heures de course, la flotte est stoppée net à la pointe de la Bretagne. Il y a des gros nuages, il n'y a pas de vent. Et on ne sait pas quand c'est qu'on va s'en sortir. Elle commence seulement lentement à pointer ses étraves vers le sud et le golfe de Gascogne.